Bonjour, alors je vous reviens avec un petit haul action et nose et un brin Cultura, un petit peu de Cultura. Alors, à action en ce moment, nous avons ce genre de petite casserole en promotion à 3,44 € si je me trompe. Voilà, donc j'ai pris parce que selon les recettes, il ne me faut pas beaucoup de contenance et ça me saoule de sortir les grosses casseroles. Et pareil pour un mini wok. Pour faire venir que des oignons, des trucs comme ça suffit amplement. Donc je me suis dit, je vais tenter 3,44 € pour les casseroles. Elles sont assez lourdes quand même, donc voilà, on verra. J'ai pris 4 à 78 centimes, ils appellent ça des nœuds de corde. C'est ça, enfin là je sais pas s'ils appellent ça pareil. Et j'en ai pris 4, c'est pour ma couronne quand je vais me décider à la faire. Voilà, pour mettre autour. J'ai trouvé que ça pouvait être plutôt pas mal. Donc, comme je vous dis, j'en ai pris plusieurs. J'ai repris aussi des petits sapins comme ça parce qu'apparemment, après, on a beaucoup de mal à les trouver. J'ai pris, c'était à 3 euros et quelques, 3,29 € les huiles essentielles comme ça puisque j'ai le diffuseur à la base. Donc là, c'est eucalyptus apaisant et citron et fleur d'oranger vivifiant. Mais pour avoir une certaine odeur, j'ai été obligée de prendre l'appareil à 8 euros et quelques. Alors que moi, je n'avais pas payé ce prix-là, j'avais payé 4 euros l'appareil. Mais bon, je viens de voir d'ailleurs que le flacon, il n'est pas hyper plein. Ouais, ben, enfin, ils sont pas pleins du tout même. Ok. Ouais, 8 euros et quelques, tout ça, parce que celui-là, il est à la lavande. Et oui, lavande et fleur d'amandier. Voilà, relaxante. Donc, du coup, j'ai repris un appareil. Ça ne sera pas perdu. Hein. Voilà. Et pour ranger mes tampons, mes dailles et tout ça. Les dailles surtout en premier. Parce qu'il y a, alors, il y a certains tampons et certains dailles que je vais arrêter de les sortir des emballages. Je vais les laisser emballer tels qu'on les achète. Comme un que je vais vous montrer après. Je me suis dit que ces boîtiers qui sont faits pour le rangement de la maison ou pour la cuisine pourraient être plutôt pas mal. Si au pire je m'aperçois que ben, ça va pas, c'est pas très grave, je le remettrai, j'utiliserai pour ranger quoi. Ailleurs. C'est pas un souci. Ensuite, un autre. Nous avons trouvé des petites gourmandises. Les links à la base à 3,99 €. Pardon, mais ils étaient à 2 euros. 2 euros et quelques. Ils étaient pris, ils avaient baissé le prix. Je me suis repris un cercle à cheveux. Puisque j'ai pété le mien de la salle de bain que je me servais pour me démaquiller et tout. Voilà. Donc, j'ai repris un cercle à cheveux à 69 centimes. J'en avais pris un autre qui était plutôt pas mal. Et arrivé en caisse, ça me dit 1 euro et quelques. C'est pas pour le prix, c'est pour le principe. C'est quand même, c'est quasiment le double de le prix annoncé. Donc, du coup, bah, je n'ai pas voulu le prendre. C'est pas très grave. Il m'en fallait surtout un pour la salle de bain. Voilà. C'est pas un souci. En backup. Ah oui. J'aime pas mettre mes lunettes, ça fait des reflets. Donc, en backup. Rexona, puisqu'elle avait de nouveau à 1,24 €, en sachant que à la base ça vaut quand même selon les magasins entre 4 et 6 euros. Donc, même si c'est pas le parfum que je préfère, c'est pas grave, il est efficace et le parfum on le sent plus au bout de très peu de temps. Donc, je cherchais partout, un petit peu partout, des chaussons pas très chers, c'est des chaussons quoi. Et puis, vu le temps que ça fait. J'ai pris ceux-là. Écoutez, ils sont tout noirs, ils sont simples. À 2,99 €. Voilà, parce que dès qu'ils sont jolis, le problème, c'est que la semelle est molle là. Et ça, enfin, ça sert à rien. Et ceux que j'ai, ils sont en forme de renard, ils sont mignons comme tout. Sauf qu'à force de les passer dans la machine, la mousse dedans, elle est quasiment aplatie. J'ai l'impression d'être posée sur le sol, quoi. Voilà. Ça, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait comme à Noz, les trois courses que j'ai fait, les trois achats que j'ai fait mardi. Là, nous sommes jeudi, je ne vous ai pas dit. Si tout va bien, vous avez cette vidéo demain. Enfin, quand vous regardez cette vidéo, on est vendredi.
J'ai pris ces petits rouleaux à 50 centimes, donc un peu saumon, turquoise et marron. C'est les trois teintes qu'il y avait de toute façon. C'est un espèce de filet. Enfin, j'en ai déjà des matières comme ça. J'aime bien les travailler. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Et pour ou faire des découpes ou faire une tranche. Ou voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. La couleur marron, bien sûr, pour la couleur automnale. Tu veux sortir un peu plus, hein? J'ai fermé parce qu'on a le sèche-linge en route. Et sinon, vous allez l'entendre faire du bruit. Bon, c'est pas grave, je mettrai un élastique si j'en trouve. J'ai pris des paperclips. J'ai trouvé la forme très originale pour le prix. Voilà. Il y en a 10, donc, puis de petites formes diverses. Tu fais quoi, Pépus? Ah, excusez-moi, je saurais qu'elle ne fasse pas de bêtises. J'ai pris cette plume, je l'ai trouvée sublime. Attendez, je reviens. Alors, je vous disais ça. Oui. j'ai repris ceci. Donc, à la base, c'est pour mettre sur un cadeau ou quoi. Il y a une espèce de petite boule, une corde dorée et surtout la plume qui est magnifique. À 59 centimes. Je ne sais pas dans quoi je vais l'utiliser. Je ne sais absolument pas. Mais j'ai trouvé tellement belle la plume. J'ai craqué pour ce tout petit bloc. Pas tout petit, pour ce petit bloc à 1,50 €. Et c'est les designs que vous avez là-dessus. Donc, je vais vous les passer vite. Il y a beaucoup de... C'est ça qui m'a plu. Si j'y arrive. Alors, il y a du jaune et tout, mais c'est pas ça qui me... Voilà, c'est cette page-là, vous voyez. Elle est super belle. Après, il y a pas énormément de design, là, mais... celui-là, je trouve qu'il est plutôt joli. J'espère que vous voyez. Après, un qui me plaisait vraiment, bah ouais, c'est surtout cela. Celui-là, que je trouve sympa. Voilà. Alors, les papiers sont un peu épais par rapport à ceux qu'on trouve chez Action. Vous voyez? Un peu plus épais. Et je me dis que c'est du 170 grammes quand même. Je me dis que pour faire des jolies découpes et tout ça, un peu estival, ou enfin voilà, ça peut être sympa. Alors, on n'est plus en période estivale, mais je n'allais pas attendre que le bloc n'y soit plus, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons été. Alors, ça, c'est. Ça, j'ai regroupé les achats, mais vous avez bien compris que les dernières choses que je vous ai montrées de Noz, c'était de mardi. Nous avons été à Cultura. Et à Cultura, nous avons trouvé cette beauté. Cette beauté. Voilà. Il est sublime. C'est un vert. C'est Printemps à Kyoto de Toga. Il est magnifique. Alors, l'autre côté est très joli aussi. Mais c'est vraiment pour cette face-là que je l'ai pris. Je me dis, une couverture d'album avec ça ou un truc comme ça doit être super beau. Donc, pour faire quoi, je ne sais pas, mais je l'ai pris. Voilà. Et ça, c'est moi. C'est tout à fait moi. Reste, ne bouge pas. J'ai posé sur le reste, ça va descendre. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ça va descendre. Ça va descendre. Et ensuite, j'ai trouvé d'une collection que j'adore de Toga aussi. C'est Toga, oui. De Toga. C'est Attrape-moi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. À moins 50% à Cultura. J'ai trouvé deux choses de cette collection. Donc, les papiers. Alors, par contre, des papiers qui ne sont pas très épais, mais bon, tant pis. Donc, je vous montre, vous voyez, ça c'est le prix avant les moins 50. Je vous montre les papiers. J'avais déjà acheté des die-cuts, je crois, de cette collection. Et surtout, alors là, quand je l'ai vu, il y en avait qu'un. J'ai dit, celui-là, je le prends direct. C'est les tampons. Qu'une plaque. Elle est magnifique. Donc, il y est grand temps de rallumer les étoiles, te décrocher la lune, pleine lune. C'est tout ce qui est un solaire. Ils sont magnifiques. Je peux vous montrer un petit peu derrière, mais le problème, c'est quel prix. Donc, vous n'allez pas voir tous les dessins qu'il y a. Voilà, je suis hyper contente. Et vous voyez, cette plaque-là, la mettre plutôt que de la sortir, les laisser telles quelles et essayer de faire par marque, par exemple, classer mes tampons par marque. Toga, tous les togas ensemble et tout, parce que je commence à en avoir pas mal les togas. Toga, Artemio, enfin voilà, et celle-là, mais
Mais j'adore, franchement. Je la trouve magnifique. La plaque de tampon. Les papiers, je suis un chouï moins fan. Je trouve qu'ils sont très jolis aussi, mais il y en a quelques-uns qui... Ouais, bof, enfin voilà. Mais c'est surtout la plaque de tampon. Et puis je me suis dit, bon, tant qu'à faire, les deux sont soldés, autant les prendre. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Alors, c'est assez diversifié, puisqu'il y a de la cuisine, du rangement, des pantoufles. Il y a un peu de tout. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis fatiguée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.